Si vous ne savez pas séduire une femme en France, vous serez totalement incapable de séduire une femme en Pologne. Je vais faire un petit audio rapide aujourd'hui. Rapide puisque je suis en route pour rejoindre un client qui vient de me rejoindre à Varsovie pour un bootcamp de 3 jours avec moi, où il aura droit à la totale, shooting photo, coaching, sortie night, analyse profil Tinder, etc. etc. Donc c'est un petit bootcamp pour lui. Et je voulais vous faire cet audio par rapport à ce... C'est une question qu'on me pose souvent et c'est une erreur que je vois beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs, surtout cet été d'ailleurs, il y en a eu beaucoup, cet été il y a eu énormément de mecs qui sont venus en Pologne et notamment à Varsovie. Alors probablement à cause de moi, parce que depuis que je suis à Varsovie, bizarrement tout le monde y va, alors qu'avant personne ne me parlait de cette ville, hein, donc je pense que je ne suis pas étranger à cela. Et je vais vous détailler cette erreur. Tous les mecs, sans exception, avec qui je discute, et notamment les red pill, les black pill, etc., eux, c'est peut-être les pires. Désolé, je clash encore les red pill. Tous ces mecs ont la conviction que séduire une femme en Pologne, c'est forcément plus facile, et que s'ils n'arrivent pas à séduire une femme en France, c'est que le problème ne vient pas d'eux, c'est que le problème c'est la mentalité française, c'est la française est une mal baisée, la française est une nana moche et chiante, bref, qu'en gros c'est pas de leur faute, c'est jamais de leur faute, hein, bien sûr, c'est toujours la faute des autres, toujours facile de dire ça, donc c'est pas de leur faute, mais c'est la faute des françaises. Et du coup cet été, il y a énormément de mecs qui sont venus à Varsovie. Les mecs, ils ont payé le Airbnb, les billets d'avion, les machins, les trucs, juste pour choper, pour venir en Pologne pour choper. Alors déjà, la démarche, je la trouve un peu stupide, parce que dépenser 1000, 2000, 3000 euros pour un voyage de quelques jours en Europe de l'Est juste pour choper, vous m'excuserez, mais ça se discute, quoi. ça peut se faire si vous avez un bon niveau de séduction, parce que ça peut être une stratégie pour vous amuser ou pour passer du bon temps. Mais si par contre vous êtes incapable de choper en France et qu'en fait la raison première pour laquelle vous allez en Pologne, c'est parce que vous n'arrivez pas à choper en France, c'est un peu con. Autant aller aux putes. J'ai envie de vous dire, ça vous coûtera moins cher. Aller aux putes directement, pas besoin d'aller en Pologne pour ça. Pourquoi, si vous ne savez pas séduire une femme en France, ça marchera pas non plus en Pologne? Plusieurs raisons à cela. Déjà la première, et celle qui est souvent sous-estimée par les mecs, c'est qu'en fait les nanas elles vous voient venir. Les polonaises, les biélorusses, les ukrainiennes, etc. savent parfaitement pourquoi vous venez en Pologne. Même quand vous vous faites illusion en disant ouais je fais du business, je fais ceci, je fais cela. C'est une technique qui marche de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est juste complètement cramé. Parce que l'idée que vous avez de venir en Pologne pour choper, il y a plein d'autres mecs qui ont eu la même idée que vous. Bah ouais, vous êtes pas plus intelligent que les autres mecs. Les autres mecs ont eu la même idée que vous et il y en a plein qui l'ont fait. Et du coup, ça veut dire que le field en fait est en train de se cramer progressivement. Ce qui fait que ça marchait peut-être il y a 5 ans parce qu'il n'y a pas grand monde qui allait en Pologne. Mais là aujourd'hui, ça marche de moins en moins parce qu'il y a trop de mecs qui vont. Et je suis pas le seul à le dire, c'est cette discussion que j'ai eue avec un ami. Qui est en contact avec des pick-up artistes américains notamment, qui me dit la même chose, c'est-à-dire l'autre fois il est sorti dans une boîte qui s'appelle par exemple le Cubano, Teatro Cubano à Varsovie pour ceux qui connaissent. Il m'a dit il y allait, il m'a dit il a reconnu au moins 5-6 mecs qui étaient en coaching. Et en fait ça se voit, pourquoi? Parce que les mecs ils sont tous habillés pareil, ils ont tous la même démarche, ils font tous les mêmes open, ils se comportent tous de la même façon. Et en fait les nanas ont complètement grillé cette technique. Mon pote il m'a montré qu'une fois il discutait avec un plan cul polonaise avec lui, et en fait les filles se passent le mot, hein. C'est la deuxième raison que j'avais à vous dire par rapport à ça. Arrêtez de prendre les filles pour des connes, quoi, putain. Les mecs, quand vous prenez vos billets d'avion, vos Airbnb, machin, vous disant « vas-y, je vais choper, ça va être facile et tout », non, les nanas, elles savent pourquoi vous êtes là. Elles vous voient venir 3 km à l'avance, c'est-à-dire qu'avant même que vous ayez commencé à parler, elles savent pourquoi vous êtes là, globalement. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire à ça. La troisième chose que je voulais dire à ça, et je vais tuer tout de suite une légende urbaine, c'est pas plus facile de choper une polonaise que de choper une française. C'est peut-être même l'inverse. Peut-être même plus difficile. Pourquoi? En fait, d'où vient cette illusion? L'illusion vient du fait que, en fait, ce qui est mieux en Pologne par rapport à la France, et sur ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le niveau physique des nanas. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la France, vous ajoutez entre
1 point et 1,5 point sur l'échelle de l'EHB par rapport à ce que vous êtes capable de faire en France. Donc ça veut dire si par exemple en Pologne vous chopez de la 7 sur 10, en France vous chopez de la 7 sur 10, en Pologne vous choperez de la HB 8, 8,5 maximum. Si en France vous séduisez déjà des HB 8, bah vous accéderez au niveau HB 9 en Pologne. Donc en gros le gain il est là, c'est-à-dire le gain il est dans la qualité des nanas que vous chopez, mais il n'est pas du tout dans la quantité de FC. Pourquoi ? Parce que, je parle pas trop fort parce que je suis dans une rue, il y a une énorme différence de mentalité entre la française et la polonaise. La française est une baiseuse assumée, c'est-à-dire que globalement, vous draguez une parisienne, vous la ramenez chez vous, c'est quelque chose qui est très normal, et c'est assez facile de coucher avec une française, honnêtement, quand on sait s'y prendre. Par contre, la Pologne, non. La Pologne, ce n'est pas du tout la culture du « je couche le premier soir ». La Pologne, c'est la culture de l'engagement, c'est la culture des relations. Et les nanas se laissent pas se baiser comme ça aussi facilement au premier soir. Donc du coup, c'est plus difficile. Et en fait, la différence, elle est là. Et cette illusion, en fait, elle vient du fait que bah, quand vous allez en Pologne, vous accédez à des nanas plus jolies qu'en France. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat. Par contre, c'est une illusion parce que derrière, en termes de résultats concrets, donc c'est-à-dire en termes de FC, en termes de, du fait de conclure finalement, bah en fait, si vous n'arrivez pas à conclure en France, vous n'y arriverez pas non plus en Pologne. Et je vous prends un exemple, deux exemples, avec des mecs que je connais qui sont allés à Varsovie cet été, dans l'espoir de choper, évidemment, parce que et pourquoi les mecs ils vont là-bas, est-ce qu'ils veulent choper ? Parce qu'ils n'arrivent pas en France, c'est ça la vérité. Hein, pour ces deux personnes-là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en gros, sur Tinder, les mecs avaient un peu plus de matchs par rapport à Paris, et des matchs globalement un peu mieux qu'en France, même si c'était pas ouf parce qu'ils n'avaient pas des profils de tueurs non plus. Donc au niveau qualité des matchs, c'était mieux. Par contre, les mecs ont eu zéro résultat. Zéro FC pour les deux. Les deux sont venus, il y en a un, il est venu, je crois, il est resté 4 jours à Varsovie. L'autre, je crois qu'il est resté 2 semaines, un truc comme ça. Il n'y a aucun des deux qui a chopé. Pourquoi ? Bah parce qu'ils n'ont pas la méthode, tout simplement. Parce qu'ils savent pas choper. Parce que les mecs étaient dans l'illusion que bah, la Pologne, c'est facile, je vais aller en Pologne et je vais coucher comme ça. La vérité, c'est que non, ça n'a pas du tout marché. Et ils se sont pris un mur dans la figure, comme on dit. Donc voilà. Là, j'arrive avec mon client. Je vais faire studio rapide pour tuer cette légende, parce que ça m'énerve toujours d'entendre des mecs qui disent « Ouais, Europe de l'Est, c'est facile, etc. » Non, c'est une illusion. C'est une illusion parce que les femmes sont plus jolies. Mais dans les faits, si vous ne savez pas choper en France, vous ne saurez pas non plus choper en Pologne. Et si vous voulez faire l'essai vous-même, bah, allez en Pologne, vous ne verrez pas vous-même. C'est ce qui arrive à mes deux potes. Les deux potes se sont pris un mur. Ils sont rentrés bredouilles. Ils n'ont même pas réussi à ramener une nana à l'appart. Ils se sont pris des stops dans tous les sens. Et ils n'ont pas su passer le truc. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Bah déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je t'envoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoie vers mes différentes agences. À tout de suite.